On y va. Black Magic Woman. Ah, on a un éleveur d'Oban ici. Et lui qui a donné cette biche comme le grand cube. De quoi, Santana, c'est ça? Ah, c'est bien Santana, Black Magic Woman, je crois. Bon, ouais. Alors, présenté par Jean-Claude Détrel, de Saint-Paul-des-Landes, dans le Cantal. Black Magic Woman, elle est née fort tardivement le 14 juin 2018. C'est une fille de racaille, de trop d'amour, vous connaissez bien maintenant. Et là, son bras, elle mène par Rosodor. C'est une famille d'étalons, puisque c'est la famille de Donald Duck. Ça monte un peu Donald Duck, hein. C'est la génération de nos précieux Donald Duck. Un étalon qu'on voit très souvent dans les télévisés. Il est toujours dans le tableau, vous voyez. Dans le tableau des lignes maternelles, par exemple, le tableau de pédigré du côté maternel, plutôt, et qu'on l'a, on retrouve là, dans le livre, pour le coup, maternel, mais pas le tableau. La grand-mère californienne, c'est la pose à l'axe dans le film Florinette. C'est la famille aussi de Moulin Rouge, qui vient de Deux Victoires, en obstacle, à Pau et à Mont-de-Marsan. C'est le premier produit de la mer, là, son bras, on va voir au trou. Très jolie biche, très brune, foncée. Mais elle a la rose d'or, qui était peut-être le meilleur étalon qu'on aura trouvé à la rose d'or. On le sent, c'est vraiment un étalon qui a beaucoup marqué. Rose d'or, beaucoup gagnant, fils direct de Ferdinand II. Black Magic Woman, présenté par Jean-Claude Védrel, né le 14 juin 2018.